Ma vie, oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 famille TPS. Soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons dire bonsoir au Saint-Esprit? Shalom à la personne qui est connectée à côté de nous. Shalom à la personne qui est connectée à côté de notre nom. Et nous partageons la vidéo, nous aimons la vidéo. Soyez bénis, nous commençons déjà notre prière de ce soir. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Alléluia. Et s'il vous plaît, merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Merci de partager. Merci de d'aimer la vidéo. Nous sommes déjà là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Et nous commençons notre prière de ce soir. Nous commençons par la grâce de Dieu.
Alléluia. Merci Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons encore. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Père, d'être dans ta présence. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de ce temps par le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, que ce temps soit un temps de qualité dans ta présence et que, Seigneur, les anges nous assistent et que le Saint-Esprit soit en mouvement et que, Père éternel, quelqu'un soit restauré, qu'une personne soit guérie, qu'une personne, Seigneur, reçoive de toi une délivrance par le feu, dans le nom de Jésus. Et que ce temps, Seigneur, soit pour ta seule gloire, que tu règnes en ce moment et que, éternellement, Dieu, que tout soit pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si le son est bon, si tout va bien. Faites-moi signe. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous voulons plus être dans l'intercession. Écris avec moi, invoquer le feu pour la délivrance. Invoquer le feu pour la délivrance. Invoquer le feu pour la délivrance. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 6, au verset 15. Voilà, aidez-moi à l'écrire. Je ne vais pas le mettre à l'écran, mais aidez-moi juste à écrire le verset Deutéronome. Deutéronome 6, au verset 15. Je lis la parole de Dieu, il est écrit ceci. « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. » Et nous allons rapidement dans Deutéronome 4, au verset 24. Deutéronome 4, verset 24, qui dit ceci, « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. » Bien-aimés, nous devons savoir qu'une qualité de Dieu, il y a une autre qualité de Dieu qu'on appelle le feu. Dieu est celui qui répond par le feu, Dieu est celui qui travaille par le feu, Dieu est celui qui couvre son peuple par le feu. Comme nous le voyons dans le désert, il était la colonne de feu durant la nuit pour les enfants d'Israël. Et il était la colonne de nuée le matin, la colonne de feu le soir. Pourquoi? Parce qu'il devait les réchauffer. Il était comme un chauffage, il était comme, comme un paraclet, il était comme un parapluie. Il était là pour leur donner de la chaleur puisqu'ils étaient dans le désert. Tu dois savoir que Dieu répond par le feu. Et lorsque tu subis des attaques, lorsque tu subis des choses que tu ne comprends pas, lorsque tu es attaqué de toutes parts, que ça soit le jour, que ça soit la nuit, que ça soit dans le sommeil, que ça soit en conscience ou en inconscience, tu peux invoquer le feu de Dieu. Tu peux dire à Dieu de se manifester au travers du feu. Et au travers du feu, il te délivre. Au travers du feu, il te libère. Au travers du feu, il se manifeste. Et c'est pour cela, bien-aimé, que ici, Moïse est en train de dire « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. » Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Écris avec moi, mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Est-ce qu'on peut l'écrire? Mon Dieu est un feu dévorant. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons être dans la joie parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et que lorsque nous sommes sujets à des attaques, lorsque nous sommes la cible de l'ennemi, lorsque nous sommes la cible des ténèbres, nous savons que notre Dieu nous défend par le feu. Nos ennemis sont dévorés au travers du feu de Dieu. Alléluia. Nos ennemis sont détruits au travers du feu de Dieu. C'est pour cela, nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire attention parce que Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, il n'aime pas lorsque nous allons, lorsque nous ne faisons pas sa volonté. Il n'aime pas lorsque nous faisons le contraire de ce qu'il nous demande. Il n'aime pas lorsque nous servons d'autres dieux. Il n'aime pas lorsque nous nous tournons vers d'autres dieux, lorsque nous marchons dans le péché, lorsque nous faisons le contraire de sa parole, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous ignorons sa parole et nous allons quand même faire ce qui nous interdit. N'oublions pas que Dieu est un Dieu jaloux et il n'aime pas que ses enfants puissent servir d'autres dieux. Alors, n'oublions pas que le feu dévorant peut aussi être un feu qui dévore une personne, un feu qui calcine une personne, un feu qui descend contre quelqu'un parce que la personne ne fait pas la volonté de Dieu. Mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant.
et que le feu de l'Éternel détruise tout ce qui est du diable dans ta vie dans le nom de Jésus. Écoutez la suite. Il dit, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et le verset 25 dit, lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, la suite, le verset 25 dit ceci, lorsque tu auras, plutôt le verset 26, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Donc le feu dévorant n'est pas seulement le feu qui détruit l'ennemi, mais c'est aussi le feu qui peut se retourner contre ceux qui se tournent vers d'autres dieux. Et cela n'est pas notre partage, car nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia, cela n'est pas ton partage, car Christ vit en toi. Cela n'est pas ton partage. Le feu dévorant est un feu qui va atteindre tes ennemis. Le feu dévorant est le feu qui va atteindre tes adversaires, tous ceux qui se dressent dans les ténèbres contre toi. Le feu dévorant est un feu qui va atteindre toute personne qui combat la destinée de Dieu dans ta vie. Le feu de Dieu est un feu dévorant qui va atteindre tout ce qui dans les ténèbres ou tout ce qui dans l'invisible travaille contre ta vie. Alléluia. Ton Dieu est un feu dévorant. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, sois en paix. Lorsque tu es en Christ, tu es protégé. Lorsque tu es en Christ, tu es préservé. Lorsque tu es en Christ, même si on te fait la guerre, ils ne te vaincront pas. Même si on te lance des flèches, ces flèches se retourneront contre l'ennemi. Même si on cherche à faire des complots contre toi, ces complots seront nuls et sans effet, car l'Éternel est un feu dévorant autour de toi. L'Éternel est un feu dévorant autour de toi. Il est comme un mur de feu autour de toi. Ce qui fait que lorsque tu es la cible de l'ennemi, tout ce qui est lancé contre toi est dévoré par le feu qui t'entoure. Tout ce qui est lancé contre ta vie est dévoré par le feu qui t'entoure. Toute ruse de l'ennemi, tout envoûtement qui est lancé contre toi est dévoré par le feu qui t'entoure dans le nom de Jésus. Alors nous voulons prier le Seigneur, nous voulons faire une prière très ouverte, une intercession, selon que le Saint-Esprit va nous conduire, et nous allons prier afin que l'Éternel puisse encore agir dans ta vie, afin que Dieu puisse encore se manifester dans sa puissance, dans ta vie, et que Dieu t'ouvre les portes des cieux, et que, selon notre thème de ce mois, que Dieu puisse renouveler toutes choses dans ta vie, et t'emmène dans un nouveau départ, et qu'il puisse embellir ta vie, embellir tous les domaines de ta vie, car il est l'Éternel qui t'embellit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alors bien-aimé, tu vas prier avec moi cette nuit, tu dis avec moi merci. Dis merci au Père qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à maintenant. Reconnais que ce n'est pas un acquis, mais c'est sa grâce. Beaucoup de personnes se sont réveillées ce matin, mais à l'heure où nous parlons, ces personnes sont dans les morgues, ces personnes sont à l'hôpital, ces personnes sont en soins intensifs. Mais toi, Dieu t'a gardé, a gardé ta maison, a gardé tes enfants. Alors tu vas lui dire merci avec un cœur de gratitude. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, tendre Père de gloire, je viens encore te dire merci ce soir. Je te dis merci cette nuit, Seigneur. Oh, il est écrit dans ta parole. Oh, il est bon d'annoncer dès le matin ta bonté, mais dans les nuits ta fidélité. Seigneur, alors qu'il fait nuit, je viens annoncer que tu es fidèle. Je veux, Seigneur, oh Dieu, élever ton nom pour dire que tu es le Dieu de toute fidélité. Merci, Père, de m'avoir gardé depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci Père de m'avoir accordé ta grâce. Je reconnais que Seigneur, si je suis ici cette nuit, si je suis là Père, c'est par ta grâce. Merci d'avoir gardé ma vie. Merci d'avoir gardé mes enfants. Merci d'avoir gardé ma maison. Merci d'avoir gardé mon époux. Merci d'avoir gardé les épouses. Merci d'avoir gardé Seigneur, oh Dieu, ma famille. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire, pour ta grâce. Je reconnais que c'est ta main, c'est ta miséricorde, c'est ta grâce, c'est ta faveur, c'est ton vouloir qui a permis que nous puissions être là. Nous te bénissons, nous te louons Père éternel, nous te magnifions Père Saint, parce que tu es bon. Béni soit ton nom, ô Dieu, toi qui as permis encore que nous puissions être là dans ta présence, toi qui as permis encore que nous puissions être là, Seigneur, afin de célébrer ton nom, afin de t'adorer, afin de te louer. Béni soit ton nom, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur, là où tu te trouves, alors que nous sommes dans sa présence. La Bible déclare
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, alors que tu veux que ta prière puisse monter devant le trône de Dieu, comme un parfum, tu veux que les anges puissent recueillir tes prières pour les renverser devant le trône de Dieu, comme de l'encens, comme un parfum de bonne odeur. Alors tu vas demander pardon. Peut-être que tu as parlé, peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu, qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit. Nous voulons demander pardon afin que notre prière puisse monter devant le trône de sa grâce comme un parfum de bonne odeur. Tu es en train de prier avec moi. Humilie-toi devant sa présence car il est là. Humilie-toi devant sa présence car il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés. Tu es en train de prier avec moi dans le nom puissant de Jésus. Père de grâce, Père de compassion, Père de gloire, je viens encore dans ta présence te demander pardon, Seigneur. Oh, je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Depuis le matin jusqu'à maintenant, je reconnais que j'ai parlé. Je reconnais que j'ai réagi. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, que j'ai fait des choses, j'ai commis des actes, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés, Seigneur. Alors que je me tiens dans ta présence cette nuit, alors que je me tiens dans ta présence dans la prière, je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés conscients et inconscients. Je te prie, Père, de me pardonner, Seigneur. Je te prie de pardonner mes péchés, car j'ai péché contre toi en pensée, en parole, en action, Seigneur, en omission, en commission. J'ai péché contre toi, Seigneur, ô Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu, d'avoir fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, d'avoir dit des paroles que je n'aurais pas dû dire. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu, de n'avoir pas fait ce que je devais faire. Pour toutes les bonnes choses que je devais faire, mais que je n'ai pas faites, Seigneur, pardonne-moi. Pour toutes les bonnes choses que je devais donner, mais que je n'ai pas données. Pardonne-moi, Seigneur, et accorde-moi ta grâce. Je reconnais, Seigneur, que il n'y a que toi qui peux nous faire vivre. C'est pour cela que David a dit, Seigneur, si tu retiens nos fautes, qui pourrait subsister devant toi? Seigneur, je peux le dire encore cette nuit, si tu retiens mes fautes, qui pourra subsister? Je ne saurais subsister devant toi. C'est pour cela que je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi et accorde-moi ta grâce. Pardonne-moi et mets sur moi, Seigneur, ton manteau de miséricorde. Que ma prière puisse monter devant le trône de ta grâce. Que ma prière puisse monter devant le trône de ta compassion. Que ma prière puisse monter devant le trône de ta miséricorde. Que ma prière cette nuit puisse monter devant le trône de ta faveur, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, car tu es fidèle. Merci Père Saint, car tu es juste. Merci Père Saint, car c'est toi qui me pardonnes mes péchés. Merci Père Saint, car Seigneur, ô Dieu, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci pour le pardon de mes péchés. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Oh, tu vas encore invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, tu vas encore invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie esprit, âme et corps. Que le sang de Jésus te lave de la tête à la plante de tes pieds. Que le sang de Jésus purifie même ta maison, tes enfants, tout ce que tu as. Que le sang de Jésus purifie et lave et enlève toute souillure dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, invoque le sang de Jésus. La Bible déclare, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu es en train de demander pardon. Tu es en train plutôt d'appeler le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te nettoie. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Tu es en train de dire ce soir, cette nuit, je viens prendre un bain divin du sang de Jésus. Je viens prendre un bain divin. Je prends un bain du sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare aussi que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Oui, Père de gloire. Seigneur, je viens encore dans ta présence. Je viens invoquer ton sang précieux. Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me nettoie, que ton sang me purifie de la tête à la plante de mes pieds. Que je sois purifié à l'extérieur comme à l'intérieur. Que je sois lavé, Seigneur. Que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, que cela soit déraciné par la puissance de ton sang, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare cette nuit que je viens prendre un bain divin avec le sang de Jésus. Je déclare cette nuit que je fais prendre à ma famille un bain divin avec le sang de Jésus. Je déclare cette nuit que je purifie ma maison avec le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang, que ton sang me nettoie, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, lave-moi avec ton sang précieux, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, toute plante que tu n'as pas plantée, toute semence que tu n'as pas plantée dans ma vie, que cela soit
anéanti, que cela soit détruit par la puissance de ton sang précieux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang, j'invoque ton sang, j'invoque ton sang. Purifie-moi, lave-moi cette nuit, nettoie-moi Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je viens prendre un bain divin, tu es en train de prendre un bain divin, tu es en train de prendre un bain divin, tu es en train de nettoyer ta maison, tu es en train de dire je prends l'arrosoir du sang de Jésus et j'arrose ma vie et j'arrose ma destinée et j'arrose ma maison avec le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. J'arrose ma maison avec le sang de Jésus, j'arrose ma vie avec le sang de Jésus, j'arrose ma destinée avec le sang de Jésus. Je viens me purifier esprit, âme et corps, je viens purifier tous les domaines de ma vie, tous les domaines de la vie de mes enfants, avec le sang de Jésus, 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 le sang de la purification, le sang de la purification, le sang qui nettoie, le sang qui lave, le sang qui enlève les souillures, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus, tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. La Bible déclare, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oh, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, avant même que tu ne puisses rentrer dans le combat spirituel, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu vas encore dire avec moi, oh Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, alors que je me tiens à la porte de minuit, remplis-moi de ta présence. Très cher Saint-Esprit, alors que je me tiens à la porte de minuit, remplis-moi de ta présence et revêt-moi de ta puissance. Oui, tu demandes le remplissage de l'Esprit, que le caractère du Saint-Esprit soit en toi, et tu demandes le revêtement de l'Esprit, que la puissance de l'Esprit soit en toi, que son feu soit dans ta bouche, que son feu soit dans tes mains, que son feu soit dans tes pieds, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Tu appelles le Saint-Esprit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train d'appeler le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque encore en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque encore dans ma vie. Très cher Saint-Esprit, je t'invoque, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Oui, j'ai besoin de ta présence. Oui, Saint-Esprit, que ta sainteté soit mon partage. Que la crainte de l'Éternel soit mon partage. Que ton fruit soit mon partage. Que ta joie soit mon partage. Que ta paix soit mon partage. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Oui, je désire ta présence dans ma vie. Très cher Saint-Esprit, je désire ta présence dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je désire ta présence dans ma vie, ta présence dans mon âme, ta présence dans mon esprit, ta présence dans mon cœur, ta présence dans mon corps, ta présence dans mon langage, dans le nom puissant de Jésus. Et je désire ton revêtement. Revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta puissance. Et qu'à travers de cette prière, que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti au travers des mots de ma bouche. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta puissance. Je désire ta présence et je désire le revêtement. Que ton feu soit sur moi. Que ton feu soit dans ma bouche. Que ton feu soit dans mes mains. Que ton feu soit dans mes pieds. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de prier. Quelqu'un en train d'invoquer le Saint-Esprit. Quelqu'un en train d'invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse de la tête à la plante de tes pieds. Que son caractère soit formé en toi. Que ton caractère soit formé en toi. Que le Saint-Esprit soit formé en toi. Et que le Saint-Esprit te revête de sa puissance dans le nom de Jésus. Tu appelles son feu dans ta bouche, son feu dans tes paroles, son feu dans tes mains, son feu dans tes pieds, dans le nom de Jésus. Que tes battements des mains deviennent des coups de feu, deviennent du feu dans le nom de Jésus. Que chaque pas que tu vas faire en priant devienne des canons de feu dans le nom de Jésus. Que chaque parole que tu vas lancer en priant devienne des canons de feu dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Que le feu de l'Esprit te remplisse. Que le feu de l'Esprit te remplisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de l'Esprit te remplisse dans le nom de Jésus et que ta bouche soit remplie de son feu, que ta langue soit remplie de son feu dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous rentrons maintenant dans le combat spirituel au nom de Jésus. Nous rentrons dans le combat spirituel. Alors tu vas dire avec moi, oh mon Père, mon Père. Tu dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, lève-toi, lève-toi et que toute ténèbre placée sur ma vie soit dispersée aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Mon Père, tu peux aussi dire, mon Père qui est dans les cieux, lève-toi et que toute ténèbre qui est placée sur ma vie, toute ténèbre qui est placée sur mes projets, toute ténèbre qui est placée sur ma santé, soit dispersée cette nuit, soit dispersée aujourd'hui par le feu au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus. Oui, invoque ton Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et que toute ténèbre qui a été placée sur ma vie, que toute ténèbre qui a été placée sur ma destinée, que toute ténèbre, tout noir qui a été placé sur mes projets, soit maintenant dispersé par le feu au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, que toute ténèbre qui est placée sur ta vie soit dispersée par le feu dans le nom de Jésus. Là où les ténèbres sont en train de recouvrir tes projets, là où les ténèbres sont en train de recouvrir les domaines de ta vie, là où les ténèbres recouvrent ton visage, là où les ténèbres recouvrent tes mains, là où les ténèbres recouvrent un quelconque domaine de ta vie, que cela soit dispersé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit dispersé par le feu dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de dire à Dieu, mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux, que toute ténèbre qui a été placée sur ma vie, que toute ténèbre qui a été placée sur mes pieds, que toute ténèbre qui a été placée sur mes projets soit dispersée maintenant par le feu dans le nom puissant de Jésus. Car tu es l'Éternel qui répond par le feu, car tu es l'Éternel qui agit par le feu. Que toute ténèbre qui a été placée sur mon projet, que toute ténèbre qui a été placée sur mon voyage soit maintenant dispersée par le feu dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier que toute ténèbre qui a été placée sur ta vie, que toute ténèbre qui a été placée sur ta destinée, que toute ténèbre qui a été placée sur ta maison soit dispersée par la puissance du feu cette nuit au nom de Jésus. Que cela soit anéanti, que cela soit dispersé, que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le niveau des ténèbres, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, quelle que soit la distance des ténèbres, quelle que soit la hauteur des ténèbres, que cela soit dispersé par le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit dispersé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que cela soit dispersé par le feu de Dieu, que cela soit anéanti par le feu de Dieu, que cela soit chassé par le feu de Dieu. Car la Bible déclare, oh les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu es en train de chasser les ténèbres avec le feu de Dieu. Que toute ténèbre qui a été placée sur toi, qui a été placée sur ta vie, qui a été placée sur ta maison, soit totalement dispersée dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu es l'Éternel qui fait paraître la lumière dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur, car tu es l'Éternel qui fait paraître la lumière dans la vie, Seigneur, ô Dieu, de ton peuple, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, alors que tu as chassé les ténèbres, tu as demandé à Dieu de chasser toutes ténèbres dans ta vie. Maintenant, tu vas dire avec moi, ô mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, alors que je suis dans ta présence, fais briller mon étoile, que ton étoile puisse briller, que lorsque tu vas te présenter quelque part, les gens puissent
puissent t'écouter, que les gens puissent t'ouvrir des portes, que les gens puissent s'empresser de te faire du bien, que les gens puissent se presser de te faire du bien, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, mon Père, alors que je me tiens dans ta présence, fais briller mon étoile, que mon étoile brille au nom de Jésus. Bien-aimé, alors que tu as dit à Dieu de chasser les ténèbres, que toutes ténèbres qui étaient sur ton étoile soient chassées, et ces ténèbres ont été chassées, maintenant tu dis à Dieu de faire briller ton étoile, dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier, que ton étoile brille au nom puissant de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens dans ta présence, Seigneur, je prie que tu fasses briller mon étoile. Que mon étoile brille. L'étoile de mon Seigneur a brillé. L'étoile de mon Seigneur avait brillé. Les mâches avaient vu l'étoile du Seigneur. Que mon étoile brille aussi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller l'étoile de ma destinée. Fais briller l'étoile de mes enfants. Fais briller l'étoile de mes projets. Fais briller l'étoile de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que je suis dans ta présence, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que toute ténèbre qui est autour de mon étoile soit dissipée par le feu, que mon étoile brille par le feu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que les portes s'ouvrent devant toi, que les portes qui sont verrouillées, fermées, s'ouvrent parce que Dieu fait briller ton étoile, que les portes qui sont fermées devant toi, les portes de fer, s'ouvrent parce que Dieu fait briller ton étoile, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Fais briller mon étoile, au nom de Jésus. Oh, pendant que tu es en train de prier, que les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi, parce que l'Éternel fait briller ton étoile. Pendant que tu es en train de prier, que les portes de faveur s'ouvrent pour toi, parce que l'Éternel fait briller ton étoile, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, fais briller mon étoile, au nom puissant de Jésus, par la puissance du feu, que mon étoile brille. Si ton étoile avait été enterrée, que ton étoile ressuscite cette nuit, dans le nom puissant de Jésus. Oh, si ton étoile avait été voilée, d'enfermer ton étoile, que tout voile qui est en train de voiler ton étoile soit déchiré au nom de Jésus, et que ton étoile brille, que des personnes étrangères te fassent du bien, que des gens que tu ne connais pas te fassent du bien, que des gens te suivent avec des bénédictions, que des personnes puissent te chercher, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Fais briller mon étoile, oh mon Père, fais briller mon étoile, que mon étoile brille, que l'étoile de ma destinée brille, que l'étoile de mon influence brille, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, tu pries avec foi, tu pries avec détermination, tu pries avec force, que ton étoile brille au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton étoile brille, que l'étoile de tes enfants brille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible déclare, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors que tu es dans la prière, tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je viens condamner à la croix tout ce qui condamne ma vie au nom de Jésus. Je viens condamner à la croix tout ce qui condamne ma vie au nom de Jésus. Je viens condamner à la croix tout ce qui condamne ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à prier, condamne à la croix tout ce qui condamne ta vie. Condamne la maladie à la croix, car Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Condamne tout ce qui condamne ta vie, les choses que tu connais, que tu ne connais pas, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu es en train de condamner à la croix tout ce qui condamne ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète cette nuit que je viens condamner à la croix tout ce qui condamne ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je viens condamner la stérilité au nom de Jésus. Je condamne les échecs à la croix, dans le nom puissant de Jésus. Je viens condamner la pauvreté qui condamne ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je condamne à la croix la stagnation. Je condamne à la croix la pauvreté. Je condamne à la croix la sécheresse, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de condamner. Tu condamnes cette maladie qui condamne ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de condamner tout ce qui condamne ta vie, dans le nom de Jésus. 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 Quelqu'un en train de prier, tu condamnes cela.
Je viens condamner à la croix au tout esprit de stagnation. Je viens condamner à la croix tout esprit de stérilité. Je viens condamner à la croix tout esprit de rejet au nom puissant de Jésus. Je viens condamner à la croix tout esprit de péché dans le nom puissant de Jésus. Je viens condamner à la croix tout ce qui réclame ma vie, tout ce qui réclame mes enfants, tout ce qui réclame ma famille, tout ce qui réclame ma maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es en train de condamner à la croix. Tu es en train de condamner à la croix. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es en train de condamner à la croix tout ce qui condamne ta maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je viens condamner à la croix tout esprit de maladie. Je viens condamner à la croix toute malédiction familiale. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire avec moi. Ô Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence, que ton feu détruise tout ce qui retarde mes bénédictions. Que ton feu détruise tout ce qui retarde ma guérison. Que ton feu détruise tout ce qui retarde tes bénédictions dans ma vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle des esprits de retard. Les esprits de retard sont des esprits que le diable relâche pour retarder la bénédiction de quelqu'un, pour retarder la marche de quelqu'un, pour retarder l'avancement de quelqu'un, pour retarder la bonne nouvelle. Et Daniel avait vécu cela alors qu'il attendait la réponse. Mais il y avait un esprit qui avait retenu l'ange qui lui ramenait la réponse. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus, ô Seigneur, je détruis par le feu tout ce qui retarde mes bénédictions au nom de Jésus. Je détruis par le feu tout esprit qui retarde les bonnes choses dans ma vie dans le nom de Jésus. Tout esprit qui retarde les bonnes nouvelles dans ma vie, tu es en train de détruire cela. Commence à détruire tout esprit de retard dans ta vie. Commence à détruire tout esprit qui retarde tes bénédictions. Tout esprit qui retarde des bonnes nouvelles. Tu attends la bonne nouvelle mais elle est retardée. Que tout esprit des ténèbres, quelle que soit sa source, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa position, qui retarde ce que tu attends, soit maintenant foudroyé par le feu, soit maintenant détruit par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus, je viens détruire maintenant tout esprit des ténèbres qui retarde ma bénédiction par le feu au nom puissant de Jésus. Je viens détruire par le feu tout esprit maléfique qui retarde mes bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui retarde mes bénédictions soit détruit par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tout homme fort qui s'est levé contre moi, qui s'est dressé contre moi pour m'empêcher de rentrer dans ma bénédiction, pour m'empêcher de rentrer dans mon canal, pour m'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi, que cela soit maintenant dévoré, que cela soit détruit par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit de la sorcellerie qui se dresse contre moi pour m'empêcher de rentrer dans ma destinée soit maintenant brûlé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de réclamation de famille qui s'est levé contre moi pour m'empêcher de rentrer dans ma bénédiction soit maintenant anéanti au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus que tout esprit de ténèbres qui se lève contre ta bénédiction soit foudroyé par le feu au nom de Jésus. Que tout esprit des ténèbres qui met du découragement dans le cœur de ceux qui doivent te faire du bien soit foudroyé par le feu au nom de Jésus. Que tout esprit maléfique, tout esprit de sirène des eaux qui s'est levé contre toi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée soit totalement foudroyé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier que tout esprit maléfique qui s'est levé contre tes papiers, contre ton visa, contre ton mariage, contre tes enfants, soit foudroyé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui retarde mes bénédictions soit anéanti au nom de Jésus. Que tout esprit qui retarde mes bénédictions soit anéanti au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier
au nom de Jésus. Tout esprit maléfique, oh, qui se dresse contre ta destinée, soit foudroyé par le feu dans le nom de Jésus. Que tout esprit des ténèbres qui s'est levé contre tes bénédictions, qui s'est mis et qui a dit que tu ne vas pas passer, tout esprit de Pharaon, tout esprit d'Hérode, tout esprit qui s'est levé contre toi, tout esprit de Jourda qui s'est levé contre toi pour t'empêcher de traverser et de rentrer dans ta destinée, soit foudroyé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, alors que nous sommes dans le mois du renouvellement, le mois du nouveau départ, tu vas dire avec moi, ô Seigneur, en ce mois, que ma destinée s'ouvre pour un nouveau niveau. Demande un nouveau niveau pour ta destinée. Demande un nouveau niveau pour ta vie. Demande un nouveau niveau pour ton futur. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ma destinée s'ouvre pour un nouveau niveau au nom de Jésus. Pour une nouvelle dimension au nom de Jésus. Que ma destinée s'ouvre maintenant pour une nouvelle dimension. Pour un nouveau départ. Pour une restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Oh, que ta destinée puisse s'ouvrir pour un nouveau niveau. Au nom puissant de Jésus. Que tu puisses quitter le niveau de la tristesse et rentrer dans le niveau de la joie. Que tu puisses quitter le niveau des pleurs et que tu puisses rentrer au niveau des témoignages et des victoires. Que tu puisses quitter le niveau de la maladie et passer au niveau de la guérison. Que tu puisses quitter le niveau des combats et passer au niveau des victoires totales. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'en ce mois d'août, que l'Éternel ouvre ta destinée. Que l'Éternel ouvre ta destinée pour une nouvelle dimension. Pour un nouveau départ, pour un nouveau niveau, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel t'emmène dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier, au nom puissant de Jésus, quelqu'un en train de dire à Dieu, ô mon Père, ô mon Seigneur, ô mon Dieu, que ma destinée s'ouvre pour un nouveau niveau, au nom puissant de Jésus. Que ma destinée s'ouvre pour un nouveau niveau, au nom puissant de Jésus. Que ma destinée s'ouvre pour une nouvelle dimension, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que cette dimension s'ouvre pour toi. 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 Bien-aimé, il y a des trésors que Dieu a préparés pour toi, mais la porte est fermée. Tu es en train de dire à Dieu que ma destinée s'ouvre maintenant. Que les portes de ma destinée s'ouvrent pour un nouveau niveau au nom de Jésus. Pour une nouvelle dimension au nom de Jésus. De la même manière que la mer Rouge était ouverte en deux. C'était séparé en deux. Pour que les enfants d'Israël puissent passer. Et aller à un autre niveau. Et rentrer dans une autre dimension. Et aller dans une autre terre. Que ta destinée s'ouvre. Que les portes de ta destinée s'ouvrent. Dans le nom puissant de Jésus. Afin que tu ailles dans une autre dimension. Afin que tu ailles dans un autre niveau. Afin que tu quittes là où tu es. Et que tu ailles dans une autre dimension. Par la puissance du feu, dans le nom puissant de Jésus. Que tu ailles dans une autre dimension, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Qu'au travers de cette prière, que les portes de ta destinée s'ouvrent, dans le nom puissant de Jésus. Oh, le Seigneur Jésus a dit, lorsque lui, il ouvre, personne ne peut fermer. Il a celui qui a la clé de David. Et lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Tu es en train de dire, Seigneur, que les portes de ma destinée s'ouvrent pour un nouveau niveau, pour un nouveau départ, pour une nouvelle dimension, dans le nom puissant de Jésus. Une dimension que tu n'as jamais vue. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ce que tu n'as pas imaginé. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, en ce mois, mon Père, que ma destinée s'ouvre pour un nouveau niveau, pour une nouvelle dimension, par le feu, dans le nom puissant de Jésus, pour une nouvelle dimension, par le feu, au nom puissant de Jésus, pour une nouvelle dimension, par le feu, dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, vous savez, lorsque tu fais face aux difficultés, lorsque tu traverses beaucoup de difficultés, j'avais dit dimanche, c'est parce que Dieu veut que tu puisses expérimenter sa puissance. Dieu veut que tu puisses expérimenter sa présence. Dieu veut que tu puisses expérimenter qu'il est Dieu. Lorsque tu es malade, il veut que tu expérimentes Jéhovah Rapha. Lorsque tu manques, il veut que tu expérimentes Jéhovah Jireh. Lorsque, bien-aimé, tu es face aux accusations, il veut que tu puisses expérimenter Jéhovah Tchiken. Oui, tu vas dire avec moi. Tu vas dire, oh mon Père, glorifie ton nom au travers
travers de toutes mes difficultés. Seigneur, alors que je te cherche cette nuit, glorifie ton nom au travers de mes difficultés au nom de Jésus. Glorifie ton nom au travers de mes problèmes. Glorifie ton nom au travers de ce combat. Au nom puissant de Jésus, dis à Dieu de glorifier son nom. Que son nom soit glorifié au travers de tes problèmes. Qu'il glorifie son nom, que son nom se manifeste. La puissance de son nom se manifeste au travers de tes difficultés, au travers de tes problèmes, au travers de tes situations. Qu'il se glorifie dans le nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier avec foi. Quelqu'un en train de prier avec puissance. Quelqu'un en train de prier avec persévérance. Quelqu'un en train d'élever la voix avec détermination, avec zèle, au nom de Jésus. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom au travers de toutes mes difficultés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom au travers des combats que je vis. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, glorifie ton nom au travers de cette situation que je vis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et ouvre pour moi les portes de l'espérance. Ouvre pour moi les portes de la gloire. Ouvre pour moi les portes du témoignage. Ouvre pour moi les portes de la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom. Bien-aimé, dis à Dieu de glorifier son nom au travers de tes problèmes. Alors qu'on peut dire, les hommes peuvent dire que tu ne vas pas y arriver. Les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent dire qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Tu es en train de dire au Seigneur, glorifie ton nom au travers de mes problèmes, au travers de toutes mes situations. Oh, glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de toutes mes difficultés, au travers de tous mes combats, au travers, Seigneur, oh Dieu, de mes problèmes. Glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que les enfants d'Israël traversaient le désert, tu t'es glorifié au milieu d'eux. Glorifie ton nom dans ma situation. Glorifie ton nom dans mes combats. Glorifie ton nom, oh, dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Quelqu'un en train de prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom dans mes difficultés, dans mes problèmes. Glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, que le Seigneur glorifie son nom, oh, dans tes problèmes. Oui, là où tu passes des moments extrêmement difficiles, que Dieu puisse glorifier ton nom, glorifier son nom et qu'il te donne un témoignage. Que Dieu puisse glorifier son nom dans tes difficultés et qu'il te donne un témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, il est écrit que l'or est purifié par le feu. L'or est purifié par le feu. Et lorsqu'on purifie l'or, on le passe par le feu. Oh, tu vas dire avec moi, très cher Saint-Esprit, embellis ma vie. Embellis ma vie avec ton feu, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse embellir ta vie. Non pas seulement embellir ta vie, mais embellir tous les domaines de ta vie. Il a la capacité de ramener l'embellissement. Il a la capacité de ramener, bien aimé, l'embellissement. Que l'Éternel puisse embellir tous les domaines de ta vie. Saint-Esprit, embellis tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Par la puissance du feu, embellis tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Lorsqu'il ramène l'embellissement, bien aimé, il restaure. Lorsqu'il ramène l'embellissement, il te taille comme une pierre précieuse. Lorsqu'il ramène l'embellissement, il te fait briller. Lorsqu'il ramène l'embellissement, il enlève l'habit de deuil et il te donne un habit de fête. Lorsqu'il emmène l'embellissement, il enlève tout ce qui était des ténèbres dans ta vie. Lorsqu'il emmène l'embellissement, il change radicalement ta vie. Tu es en train de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, embellis ma vie. Embellis tous les domaines de ma vie par la puissance du feu, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de demander au Seigneur, oh, que le Seigneur puisse embellir ta vie, que le Seigneur puisse embellir ton foyer, que le Seigneur puisse embellir ta maison, que le Saint-Esprit embellisse tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Que ton entourage commence à dire que ton Dieu est vivant, que ton entourage commence à voir le doigt de ton Dieu dans ta vie, que ton entourage puisse commencer à voir la puissance de Dieu dans ta vie, que ton entourage puisse commencer à voir la puissance de Dieu dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Embellis tous les domaines de ma vie,
dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, embellis tous les domaines de ma vie. Embellis, ramène l'embellissement, ramène la restauration, ramène le changement, ramène la transformation par la puissance du feu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, embellis tous les domaines de ma vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, lorsqu'il t'embellit, il enlève les pleurs. Lorsqu'il t'embellit, il enlève les larmes. Lorsqu'il t'embellit, il enlève les douleurs. Qu'il puisse embellir ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Embellis tous les domaines de ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Embellis tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oh, embellis ma vie spirituelle. Embellis ma vie physique. Embellis tous les domaines de ma vie. Que ça soit financier. Que ça soit spirituel. Que ça soit intellectuel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Embellis tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci car tu es bon. Merci car tu es merveilleux. Merci car tu es glorieux. Merci car tu es fidèle. Oui Seigneur, tu es fidèle. L'homme est infidèle, mais toi tu es fidèle. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour l'exaucement. Car l'Éternel nous a exaucés. Il a exaucé ta prière. La Bible déclare, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute les prières. Alors dis-lui merci. Merci parce qu'il a écouté ta prière, parce qu'il t'a exaucé. Et pendant que tu lui dis merci, est la foi qui t'a déjà exaucé. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, nous te disons merci. Merci pour l'exaucement. Merci Seigneur, oh Dieu, d'avoir écouté nos prières encore cette nuit. Merci Seigneur, oh Dieu, d'avoir exaucé la prière de tes enfants. Merci Seigneur, oh Dieu, d'avoir écouté la voix de la tour de prière semeur encore en cette nuit. Nous te disons merci. Béni soit ton nom éternel, car tu es fidèle. Béni soit ton nom, Seigneur, pour les portes des cieux que tu as ouvertes encore cette nuit. Merci pour l'échelle que tu as dressée durant cette prière, durant l'office de cette prière. Et sur l'échelle, les anges sont montés, sont descendus, et les anges sont en activité. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Père de gloire, je te recommande encore ton peuple entre tes mains. Bénis, Seigneur, toute personne qui a fait cette prière avec moi. Bénis aussi tous ceux qui vont la faire en replay dans le nom de Jésus. Et que, Père éternel, tu te souviens de chacun. Et que, Seigneur, oh Dieu, ton soleil de justice, ton étoile brille sur chacun d'eux dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, oh Dieu, car je sais que ta main de puissance, ta main de délivrance, ta main de restauration et de guérison est sur chacun. Et je te bénis encore, Père éternel, car tu as déversé tes cordages de miséricorde, tes cordages de grâce, tes cordages de faveur en cette nuit dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour le bien que tu as fait à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour la force que tu as donnée à chacun de nous. Et merci pour le meilleur qui est à venir. Et merci, Seigneur, oh Dieu, pour les portes de gloire que tu ouvres pour chaque personne ici connectée. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous préserve encore en cette nuit. Qu'il vous accorde sa grâce. Que votre sommeil soit doux et léger dans le nom puissant de Jésus. Que votre sommeil soit paisible. Et je prie et je déclare que votre sommeil soit connecté au Saint-Esprit. Alors que vous serez en train de dormir, qu'une échelle soit dressée dans votre sommeil afin que les anges puissent descendre et monter dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous et que l'Éternel vous parle au travers de votre sommeil au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont donné leurs offrandes ce soir. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et voilà, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, ne partez pas si vite. Cliquez juste, si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Et évidemment, aimez aussi la vidéo. Et pour les autres, avant de dormir, s'il vous plaît, aimons la vidéo, partageons la vidéo à nos proches, à nos amis, à notre famille. Et on se retrouve donc pour la guerre, d'évancer l'aurore tout à l'heure à 4h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous souhaite une excellente nuit dans la présence de Dieu. Et voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et à très bientôt. Ciao, ciao. Chante alléluia.
est en moi crie Alléluia. Oh, 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 quand il saint, saint, saint est l'éternel. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À la gloire de Dieu le Père. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Nous sommes sauvés. Ah oui, nous sommes sauvés. Son sang versé. Alléluia. Son sang versé. Nous a rachetés. Jésus, les démons sont terrassés. Jésus, au nom de Jésus, alléluia, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous retrouvons le sourire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. De tout péché. Ah oui, de tout péché. Nous sommes justifiés. Les condamnations sont annulées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, nous sommes réellement libres. Ah. Oh, ya, ya, ya. Au nom de Jésus. Bien-aimé, réjouis-toi car tu es libre en Christ. Réjouis-toi car tu as été sauvé, racheté. Alléluia, alléluia. Qu'un racheté dise, je suis libre, délivré, restauré, changé, aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.